Hey, salut les gars, merci, c'est Kane pour vous servir. On se retrouve pour un nouveau let's play sur un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, For Honor. Yeah, For Honor, et je ne suis pas tout seul car je vais faire la campagne coop avec mon ami Francis Lagoutte. Salut Francis. Bonsoir, bonsoir à tous, c'est parti pour l'honneur, on va roxer un petit peu de cul. Ah oui, putain, ça va roxer du poney. Mais par contre, hey, on a un guest avec nous. Parce que bon, la campagne coop, elle se fait à deux. Mais on a Attends, quand c'est même chaud là. Shuka qui est là. Oh putain. Oh putain, il Bonjour a à peur. tous, c'est le monstre odieux, j'en chie. Du coup, il est là pour prêter sa voix de temps en temps et pour dire des conneries. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein. Il est là, il nous accompagne. À côté de ça, il est en train de roxer sur Bloodborne. Mais bon, nous, on va jouer à Ah For bah là Honor. je me fais plutôt roxer la gueule Voilà, et ça, il s'en prend plein mais la gueule, mais voilà. Donc, ok, on est parti pour une première demi-heure sur un épisode, et donc un peu plus longtemps sur le stream. Mais on va laisser la vidéo d'intro, parce que je trouve que c'est vachement important. Parce que l'intro, elle pète un peu la classe. Donc surtout très là. classe. Elle est partie. Je vous laisse écouter la narration. Sans crier gare, sans signe avant-coureur. Je vais juste mettre trois plombs pour se démarrer, quoi, mais bon, c'est pas. C'est bon. C'était calculé. La mort s'est abattue. C'est beau. C'est beau la mort. Pour les rescapés, la vie était un combat. L'intro qui pète la classe tout en sobriété. C'est clair. Peut-être la paix était-elle possible, mais désespoir et confiance font rarement bon ménage. Sur les temps, ça fait un peu. Ainsi débutèrent 1000 ans de conflit. Oui, non, c'est absolument pas possible de sauter avec une armure lourde. Je Exact. t'écrase comme une grosse merde. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, en même temps, vu que c'est tellement un jeu, c'est un jeu pas histo. C'est que vous êtes pas assez musclés, les gars, c'est tout. Vous êtes en train de pourrir la cinématique. Et là, il lui coupe la jambe. On peut faire les bruitages des nuls. Entre les plus grands guerriers de tous les temps. Ils ont oublié de longue date le motif de leur querelle. Bon. Qui c'est qui se frotte pendant la cinématique là? Les voilà pourtant l'arme à la main, en quête d'un signe de paix. Je vais les guider. Hop. Je suis Apollyon. Apollyon. Elle offre la guerre. Apollyon. C'est un mélange entre Apollon et Champollion en fait. Un Voilà. Champollion, ouais. Ouais. Ou Fillon.
Oh non, 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 s'il vous plaît, non. On avait dit pas de point Godwin. Il y a d'ailleurs chez nous qui faisait des commentaires de le truc. Voilà, la cinématique est terminée. Désolé, on l'a un peu pourri. Si vous voulez la voir en entier, je vous conseille de la regarder ailleurs, hein. Sur d'autres vidéos. Bon, je trouve que le truc de For Honor est un peu mal fait parce que bah forcément, on va avoir tous nos tags. C'est un peu dommage. Mais bon. Alors. On est parti pour le mode histoire. Il faut que je t'invite, social. Hop. Invité dans le groupe. Voilà. Tu as reçu l'invitation, normalement. Bien sûr. Tu me dis quand tu as rejoint. C'est bon. Et voilà, on peut lancer le mode Il y histoire a en père. bien longtemps, Oh les bah seigneurs ben c'est guerriers parti. de la Légion de Fer Cinématique. repoussèrent vikings et samouraïs hors d'Ashfeld. Nous, chevaliers, nous étions forts, nous étions fiers, et nul n'osait nous défier. Mais, tel un fléau, la paix s'abattit sur nous. Nos seigneurs disparurent de l'histoire, et notre peuple devint faible, complaisant. Quand les invasions vikings recommencèrent, la Légion de Fer n'était pas prête. Ashfeld sombra dans le chaos. Mais les vikings, eux aussi, n'étaient guère plus que l'ombre de leur puissance passée. Quant aux samouraïs, ils n'avaient pas quitté leur bourbier depuis des années. Une nouvelle force a émergé en Ashfeld. La Légion d'Obsidienne, composée de vrais guerriers. Ils savent toujours faire la différence entre proie et prédateur. Nous venons remettre le monde dans le droit chemin. Place à l'ère des loups. Bah, c'est parti pour l'ère des loups. Donc il y a plusieurs chapitres. Donc chapitre 2, samouraï, chapitre 3, viking. Et on commence par le chapitre des chevaliers. Seigneur et lâche. Est-ce que tu es prêt, mon ami? Mais bien sûr, bien sûr. On met en normal, hein. On met en normal. Je suis pas hardcore gamer. Ouais, Allez. c'est. For Honor, c'est un peu genre, on va mettre des vikings, des samouraïs et des chevaliers ensemble. On sait pas comment faire, alors on va faire Eh, tous les trucs. lui! Ce sont les maîtres de l'épée longue. Nul ne sait d'où ils viennent. Et ils se battent pour la bonne cause. Mais rares sont les élus qui intègrent leur ordre. Merci Glu. Je t'ai pourri le truc, Mec, il a j'avais pas pourri les trois quarts de la compris cinématique. Ah oui, j'étais là, C'est pas grave, t'inquiète Ouais, c'est pas pas. grave, on s'en fout. Ouais, il parlait de la sentinelle. Donc, ce qu'on va jouer toutes les classes, il me semble. Donc, du coup, bah, la première classe, c'est la sentinelle, c'est celle qu'on a en PVP. Je précise qu'on a fait du PVP. J'ai un petit peu dosé le PVP, mais pas trop trop. Par contre, Glu, lui, il a bien. Donc, on est assez bon. On devrait pas trop. On devrait pouvoir s'en sortir plutôt bien. Bah vous auriez dû mettre en difficile du coup. Bah non. Parce que Glu, il va s'en sortir bien, mais moi non. Alors, je dois choisir l'aspect de mon mec. À quoi il va ressembler? Est-ce que tu peux juste tourner avec ton joystick R un tout petit peu s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu vois une queue de cheval? Ah merde, tu l'avais déjà bougé. Oui, il y a une queue de cheval. En fait, il y a homme ou femme. Ouais, mais parce que du coup, j'ai commencé avec un mec et j'étais un peu dégoûté. Bah, du coup, je commençais avec une nana, mais je vais prendre celle-là. Avec le casque, comme ça. Du coup, Etienne nous donne des commentaires dans le chat. Donc, si ça vous intéresse, il a des bons trucs. Je vais faire des commentaires. La touche historique. Ah, c'est la touche histo-philosophique. Hein. Attention, c'est pas fini. C'est histo-philosopho. Cosmique.
Non, c'était pas le mot que je cherchais. Allez, c'est parti. Bon, attention, Glu, hein. T'es prêt? T'es prêt? Il y a des cinématiques. Hein. Mais pas de Ne parle, soucis, ne je vais pas parle. du tout te les pourrir, t'inquiète pas. Alors, je voulais dire un truc. Émissaire Lyre, les Shugoki sont des héros exclusivement masculins. D'accord. Bullshit. Il propose un presse cruel et efficace pour éviter la misère du peuple. Hein. Mon histoire commence le jour où j'ai appris que je servais le mauvais seigneur. C'est parti. Ervis d'Aubeny. Daubeny. Défendez les remparts! Le jour où j'ai rencontré la Légion d'Obsidienne et Holden Cross. Montre-toi! Daubeny! Inutile d'en arriver là. Philosopho historico bullshit. Ça c'est le sur piano. Tenez-les en respect! Daubeny. Messire! Détruisez tout! Le Détruisez jeu est tout! beau, hein. Alors, je sais pas s'il a été optimisé pour la PS4 Pro. Je pense que oui quand même. Parce que il a une De ce que sacrée. je vois, franchement, c'est quasiment pareil. C'est quasi pareil, ouais. Hein. Ouais, franchement. Ouais. Peut-être l'anti-aliasing moins. Mais je suis une sentinelle. Je suis une Le sentinelle. devoir m'appelait. Je dois avancer. On est Salut, je là. suis à droite. Coucou. Salut, beau gosse. Tu fais attention, t'as un seau sur la tête. T'as un quoi? T'as un seau sur la tête. Ouais, Moi je j'ai un crois. casque, toi t'as dû trouver un seau par terre, Les j'imagine. Obsidiens approchaient par le mur est. Alors juste on va faire un petit truc, on regarde les graphismes. Ouais. Ouais, c'est plus beau que Final Fantasy VII. D 15, pardon. Hop, ça c'est fait. On l'a dit. On y va. D'accord, oui. Quoi? T'as raté un petit truc. Ah merde! Bon, on reviendra Non, en c'est pas arrière. très grave. Ouais, je sais pas si on peut, mais. Non, mais c'est pas Bon, très grave. pétage de bouche, il y en a deux. Ah oui, d'accord. Bah, c'est un peu tuto, hein. Passer en garde haute, deux, tac, tac. Voilà. Voilà, alors ça c'est le tuto. Voilà. Alors, le système de jeu, on aime ou on n'aime pas, je trouve qu'il est quand même vachement stratégique. Ouais, et surtout avec certains personnages où c'est vraiment. En attente de glu. Ouais, désolé. On est complètement détaché. Ouais. Voilà. Ah, c'est plus, ça y est. C'est bien, c'est que le chevalier m'attend quand même. Hein. Tu es le capitaine. Ok, c'est parfait. Et bien. Bah attaque. Putain, merde, j'ai tapé dans le mur. Putain, je peux pas le saisir en fait. Je voulais le saisir. Voilà. On sent quand même la bonne puissance des coups que tu mets, hein. Voilà, ça y est, ça c'est fait. J'y suis allé doucement. Hop, je descends. Bonjour, excusez-moi. Hey, salut! Du coup, j'ai raté Salut toi. un truc d'histoire, c'est Non ça? mais c'est bon, c'est pas grave, je l'ai quand même déclenché donc ça sera validé. D'accord. C'est ton Bon, chignon. bah, on continue. Les renforts étaient proches. Je devais défendre le rempart. Ça s'appelle du viol. Voilà.
J'aime bien violer les trucs. Voilà. Il y en a encore ? Ah merde, je t'ai mis un coup. Je t'ai mis un coup, il était mort juste avant. Ok, ça c'est fait. Il faut du gore pour conserver l'intérêt. C'est Yana totalement. C'est bon. Ah, ça c'est fait. Tiens, moi je tape mes chevaliers parce que je suis un enculé. Bon, on continue? Ouais. Je suis en train de lire le chat en même temps du coup. Ouais, je lis un peu aussi. Il y a... T'as vu les... Non. Ok, bon. Continue. Bonjour. Justement, ils font un commentaire... Enfin, il y a un commentaire vis-à-vis des machines de guerre, en fait. Ouais, il y a un commentaire vis-à-vis des machines de guerre. Faut juste le trouver. Mais non, mais ce sera pas ici. Ce sera sur... Ouais, une... donc là... Là, comme le gameplay de For Honor, enfin pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu des vidéos, vous savez un peu, en fait les petits minions généralement ça sert à regagner des points de vie et à gagner quelques. Et à permettre à l'avancée de nos propres péons d'avancer, de gagner du territoire. Pas mal. C'est un peu accessoire mais. Je trouve que ça donne une petite mêlée bien sympathique en PVP, c'est assez cool. Ah merde, je me suis pris une volée de flèches sans faire exprès. Bon, vas-y, on continue. Je crois que c'est par là qu'il faut passer. Ouais, il faut passer par l'échelle. Bonjour. Ouais, je laisse le tuer. Voilà. Parce que deux dessus, en fait, ça fait un gros bordel. Ah bah, il y a des péons. Ah, tiens, je t'ai mis une grosse patate au passage. C'est un peu constressé. Des questions sur les machines de guerre ? Ouais, voilà, il faut casser les pots et prendre ça. 1 sur 4 éléments destructibles acquis. Vas-y, t'en as là-bas. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, après, c'est des trucs Ubisoft, hein. Faut, comme dans les Assassin's Creed, faut aller chasser la plume, récupérer des trucs, ça a une utilité toute relative. Personnellement, ouais, je trouve ça. Voilà. Attends, par contre, il y a un truc histoire là. L1. La chute du dernier sanctuaire d'Ashfeld. 1000 ans ont passé depuis. 6 années durant, nos ancêtres ont repoussé 100 000 guerriers affamés et perdus. Il y a ça moins, non, non. Il y a de la narration. Ah ouais, tu fais perdre l'énergie quand même. Il y a de la narration, mais en fait toi quand tu as cliqué dessus. Ouais. Ouais, mais ça marche pas. Ça l'a pas fait pour moi. Donc du coup, il faut que je le fasse. Un peu con ça. Oui, c'est ultra dommage d'ailleurs parce que. Alors je voulais faire des roulades pour casser les pots comme dans Bloodborne, mais ça marche pas pareil. Du coup, c'est un peu chiant. T'en as une là. Un truc narratif. La Légion de Fer a coutume d'installer des statues de sentinelles devant les portes. Quelle hypocrisie. L'allégeance d'une sentinelle est sans comparaison avec celle d'une vulgaire basse légion. Ok, ça c'est fait. Il y a des petits pans d'histoire du jeu. Après, je sais pas si le jeu est intéressant niveau backstory, on va. Bah, c'est pas mal quand même d'avoir créé ce. Je te le laisse celui-là, c'est cadeau.
Regarde, on laisse se battre. Voilà, hop. Un petit cri de guerre. Voilà. Le... Donc, Tienou est en train de parler de la couleur noire, qui était une couleur très chère à l'époque, utilisée en héraldique. Rejoindre les archers. Bon, c'est parti. Par ici, ma biquette. Je m'en vais tailler un bout de gras, ça fera toujours ça de moi à porter. Ça va ressortir toutes les répliques de Kaamelott, forcément. Je vais vous découper le gras du cul, ça vous fera ça de moins à trimballer. Ouais, c'est ça. Exactement. Je crois qu'il faut descendre. Hein. Voilà. Et ça glisse. Ce bélier allait mettre fin au combat. Non. Protégez-moi. Allez, il meurt, voilà. Il est mouru, voilà, il est mouru. Non, il entretient. Ah, il voulait faire un coup final. Voilà, ça c'est bien, du sang. Il y en a partout. On en met partout. Moi je suis content. Moi j'aime quand ça saigne. Moi quand c'est gras, quand ça coupe, quand c'est congelé, hop, c'est bien. Moi j'aime ça. Vas-y. En plus, et moi qui vais devoir faire le combat. Oh oui, je te laisse la faire. Hein. Bah, je crois que t'as pas trop le choix en fait. Si, si. C'est un peu dommage. Je pourrais très bien arriver et sauter dessus comme un gros sac, mais je vais te laisser faire. Ah, oui, mais après, on s'en fout. Ah, bah oui. C'est la chaîne de Kane, hein. Pas la chaîne de Francis Lagoutte. Ouais, pour l'instant. L'héritage de Francis. L'héritage de Lagoutte. Ça fait un truc d'alcoolique hein, quand même, l'héritage de la goutte, ça fait cépage dans le bordelais. Hein. Putain, il est balèze quand même. Il a une bonne gueule. Dobéni, montre-toi. Dobéni, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Ces guerriers. Je demande un duel. Tout de suite. Quoi? T'affronter? Ce serait pas un duel, ce serait une mise à mort. Alors combat mon bras droit. Toi, tu seras mon bras droit. Ok. Entendu. Voilà, qu'est-ce qui est entendu. Un massacre. Très bien. D'accord. Oui, mon seigneur. Oui, mon seigneur. Oui, mon seigneur. Encore du travail. Bim. Bim. Non, effectivement, je suis spectateur de ce combat. Non. Ah, le décès. Pardon, pour ce coup de... Eh bah, il se dit qu'il pourra pas l'attraper, certainement. Le gros celte qui voit ce jeune grec huilé. Ouais, t'es en train de te faire rosser, en fait. Ouais, je suis en train de me faire rosser, ouais. Et en fait, j'ai toujours le même réflexe de... C'est que je relâche la gâchette à chaque fois. Ok. Ah bah, c'est toi qui le rosse, en fait, du coup. Bon, bah là, il va y avoir... Ah mais c'est sympa en fait ça. Ah ouais tu vois par exemple ce coup je le connais pas tu vois. Tu vois. En fait tu fais L et croix et après t'appuies sur carré très rapidement. D'accord. Je devais l'emporter, mais pas pour Dobéni. Eh
Et ben alors, tu tiens pas la route? Ouais. Allez, bisous. Voilà. Il est mort. Voilà. Bon, ben, voilà. Je me suis senti un peu comme une merde, hein, sur le coup, hein, d'avoir perdu. Mais bon, c'est pas grave, vous avez vu Glu. Nous restions à leur merci. Les combats sont hachement dynamiques. La puissance de la goutte. Un chevalier de la Légion d'Obsidienne ne saurait être vaincu par un vulgaire mercenaire. À genoux. Le souillage ultime. Ouais. Pour ta vaillance au combat, pour l'honneur dont tu fais preuve, moi, Holden Cross, je t'adoube. Lève-toi, chevalier de la Légion d'Obsidienne. D'accord. Les musiques sont classe, hein, quand même. Nous partons. À la recherche du respect, quoi. C'est clair. Suis-moi. Dobeni, il a la haine, quoi. Pixie, son armure, au passage, parce qu'elle est vachement plus classe que la tienne. À poil, Dobeni. À poil. Voilà. C'était classe. Récompense de la mission. Ben GG à toi d'avoir battu le mec. Moi je me suis senti un tout pour un. Waouh, j'ai gagné 30 pièces de rien, de rien, tu sais, moi. Ouais, gain de niveau d'histoire. Bon, on l'aurait mis en difficile. Je serais mort. J'aurais défoncé. Ok. J'ai appuyé sur continuer. On va passer à l'autre chapitre. Alors attends, parce qu'il faut que tu me réinvites à chaque fois, c'est tellement bien branlé que... Le 1-2 T'as pas besoin de me réinviter. Attends. Les Vikings s'apprêtaient à détruire le dernier sanctuaire de la Légion de Fer en Ashfeld. Ma Légion d'Obsidienne allait les sauver. Ben écoutez... Oh, non, non, moi j'ai pas besoin de te réinviter, hein, t'es toujours là. Non, non, en fait, non, c'est bon, je vais. Bon, bah c'est nickel. En plus, ça fait pile une demi-heure. Bah, du coup, les amis, merci d'avoir suivi l'épisode. Sur YouTube, hein, bien sûr. Pour ceux qui suivent le live, vous avez de la chance. On continue. Pour les autres. Ça continue! À bientôt pour un prochain épisode pour les autres. Ciao. Eh, dites au revoir, les enfants. Oui, c'est vrai, bien sûr, au revoir, putain, et à bientôt. Putain, Chouka, ton micro, il sature. De hurler comme ça, ça serait sympa. Ton micro, il a tellement... Ton micro, il a tellement ceinturé. Allez, bisous, ciao. Parce que je parlais fort. Ciao.